Or, en les écoutant, je m'approchais dans l'ombre d'un moine qui, caché sous son grand manteau sombre et libre en son parler d'hypocrite jargon, causait en s'appuyant sur le bras d'un dragon. « C'est Gautier, disait-il, et vous pouvez me croire, car je le connaissais et je sais son histoire. Ce Gautier, donc, était garde noble. Ravi d'amour, il faisait l'œil à la Campinovie. Coquette du Corso, cette femme si belle, qu'un Anglais, l'an dernier, s'empoisonna pour elle. Se voyant dédaigné, lassé de ses mépris, d'un grand dégoût de vivre, à la fin il fut pris. Il s'est tué. Nous donc, prions Dieu pour son âme. Frère, lui répondis-je, prions pour la femme. Pour la femme qui fait qu'à cette heure de nuit, parmi ces inconnus, au milieu de ce bruit, un père au désespoir dans les vieilles paupières, suivant l'ordre, aurait dû se fermer les premières, tient le corps de son fils entre ses bras tremblants, et dans ce jeune sang trempe ses cheveux blancs. Moine, je te le dis, prions pour la femme. Sont elles, vois-tu, dont la vie est infâme, et qui, pour expier leur plaisir dépravé, devraient s'user la lèvre à baiser les pavés.